Et bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Pokémon Platine en Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui on va se faire l'arène. Alors, j'allais vous montrer les évolutions de mes Pokémon. Donc je vous ai montré dans la petite intro les Pokémon qui ont évolué. Donc LTGK qui est devenu un merveilleux Étourvol. Hunter qui est passé à niveau 15. Donc Voiciril passé en Kadabra mais de nature rigide, donc c'est moche. Léon qui a évolué en Luxio. Krachoux qui a évolué en Prinplouf. Alors j'ai pas réussi à... j'ai oublié de prendre la capture de ça, mais bon, c'est pas très grave. Et Kenji qui est niveau 14 avec morsure. Alors, comme c'est une arène assez intrigante, on va prendre... On va prendre Kenji pour commencer les combats. Oui, je suis un fou. Mais bon. Donc, c'est parti. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai enfin fini ma session de partiel. Donc, on peut se retrouver aujourd'hui pour des épisodes de Pokémon Platine en Nuzlocke Challenge. Donc, Rakayu niveau 11 contre un Kenji niveau 14. Et on a chopé l'attaque morsure qui, vous allez le constater, peut faire très mal. Alors 5 PV, c'est bien, me fait pas trop mal. Charge, ok, morsure, bon, boule armure, c'est pas très grave. En deux attaques derrière, il meurt et il rate son attaque et c'est parfait. Voilà, coup critique. Oui, tu as pris très cher dans ta face. Alors pour entamer cet épisode, pardon, on va donc se faire cette arène de Charbourg, hein, qui n'attendait plus que nous, si j'ose dire. Kenji, oui c'est bon. Hunter, Léon, LTGK, Krachoux et Wocyril. Alors, il nous manque qu'un seul Pokémon finalement à capturer, puisqu'on va, je pense, remplacer Wocyril. Alors il y a un Pokémon qui m'intéresserait pas mal, hein, voire deux. Donc on verra si on les capture. En tout cas, pour l'instant, on se fait cette arène. Donc ici, il doit y avoir deux Rakayu, je pense. Ou quelque chose comme ça, à mon avis c'est des racailloux. C'est assez marrant de voir que toutes les premières arènes sont toujours des arènes de type roche, presque. C'est assez marrant, sauf dans la deuxième génération où c'est une arène de type vol. Donc un racailloux niveau 9. Donc morsure sur la droite, vous pouvez le voir. Ah, il est fear. Donc morsure qui fait des dégâts, hein, puisque morsure étant de type ténèbres, ça lui fait juste peu de dégâts puisque c'est physique. Donc forcément physique égale défense de fou pour Rakayu, donc bon. C'est le seul inconvénient. Et on finit par un vampirisme pour regagner un point de vie. Ça peut toujours servir en Nuzlocke. Un point de vie, c'est la survie. Ça peut être la survie. Hop là. Alors un Onyx. Je ferai bien de switch. Alors, je pense que je peux lui faire mal avec une attaque de type... Oui, j'ai bien fait. Alors, une attaque type roche qui est efficace quand même, c'est surprenant. Est-ce qu'il ne serait pas... Il est de type uniquement eau ou... Il est de type eau uniquement, d'accord. Je pensais qu'il était de type acier, vous... Ah mince, j'ai lancé pic-pic. Alors, on perd que 4 points de vie, donc ça va, écume. Ah, il a griffe acier ici, je l'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, ça le one-shot. Non, dans l'absolu, c'est pas très grave. Voilà. Et c'est parti pour affronter, je ne sais plus comment il s'appelle, Pierrick je crois, il me semble. On va assurer le coup totalement. On va mettre Léon, bah, finalement. Hein. Hop là, je me gratte l'oreille, hop. Bienvenue, tu es à l'arène de Charbourg, je suis Pierrick, le champion d'arène. Je ne suis qu'un dresseur combattant fièrement avec des Pokémon roches, et en tant que champion, je dois... voir ton potentiel de dresseur, je dois aussi vérifier la force que les Pokémon qui se battent à tes côtés. On affronte Pierrick, le mineur. Et c'est parti, le combat est lancé par Pierrick. Et donc vous pouvez le constater, on a appris chargeur. Alors on va lui lancer directement. Ouh mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, je suis bête. Il résiste, c'est pas contre lui que je voulais envoyer ce Pokémon. Enfin bon, on va changer de Pokémon, on va mettre Krachoux, hein. Il a lancé piège de roc.
Ça va nous faire perdre des dégâts constamment. Alors, c'est à défaut de 6%, je crois. Un petit écume. Voilà, tu meurs, tu es KO, parce que x4 quand même, hein, ça fait mal. Onyx, on va recommencer la même. Il est mort. Parfait. Donc maintenant, on va lancer des attaques. Une attaque de type physique. Ah, Cranidos. Intéressant. Un Pokémon qui peut faire très, très, très mal. Alors, je vais lui lancer Griffe Acier, histoire de monter mon attaque. Oh, c'est parfait. L'attaque a monté. Là, il ne faut surtout pas switch. Il faut réattaquer avec Griffe Acier. De toute façon, notre attaque est montée. Normalement, on le one-shot. On le shot, là. Et c'est fini. Coup critique. Bon, on va être plutôt tranquille, finalement. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Ouf, oulala, ouf. Alors ça c'est stat, plus 3, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, c'est magique. 39 d'attaque spéciale, ça fait vraiment mal. Je suis surpris, hein, tout comme vous. Voilà, donc on a remporté notre premier badge d'arène, c'est parfait. C'est embarrassant, j'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de badge. Enfin, t'es le premier champion d'arène en général, bon, voilà. D'après le règlement de la ligue, Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène. Voilà le badge charbon officiel de la ligue Pokémon. Et nous obtenons notre premier badge. Soyez heureux. Sans perte de Pokémon. Donc, ça nous permet d'utiliser Éclat Rock en dehors des combats. Et il nous donne l'ACT. L'ACT piège de rock qui peut être intéressante. Hein, puisque piège de rock occasionne des dégâts à chaque entrée de Pokémon dans le round. Et ça dépend des défenses. De la faiblesse du Pokémon. Si il est faible aux roches, il va prendre en fonction de sa faiblesse x2, x4 s'il est résistant, x0,5 ou x0,5 de dégâts par rapport aux 6% que font les dégâts classiques de base. Il me semble que c'est lançable 3 fois dans un même combat et que ça peut faire jusqu'à 18% de dégâts par conséquent, ce qui peut être très pratique, hein, je ne vous le fais pas dire. Ce qui peut être très très pratique et très très vilain aussi. Donc maintenant qu'on a chopé cette capacité, on va tout simplement, je pense, se diriger vers la capture d'un autre Pokémon. Probablement, je ne sais pas encore qui tombera sous mon Kourou. Oui, sous mon Kourou, ça pourrait être sympa. Enfin bon, dans l'absolu, ce n'est pas très très grave. Allez, c'est parti. Donc excusez si la qualité est lagante, hein, mais comme vous le savez très bien, je pense, ça lag, ce n'est point ma faute. On va acheter des potions, puisque c'est toujours intéressant pour un dresseur en Nuzlocke Challenge d'acheter des potions. Alors, j'en ai combien? J'en ai 6 en stock, on peut acheter des super potions, on va se faire plaisir. On va en acheter 4. Voilà. On va acheter des potions. 3, ça suffira. Alors, j'ai combien de Pokéball? Ça, c'est la question. J'en ai 6, on va compléter jusqu'à 10. Voilà, histoire d'être sûr. On va acheter des antidotes ou j'en ai point, donc on va en acheter 4. On va acheter également de l'antipara. Et voilà. Et ça devrait nous suffire, parce que le reste ne m'est pas très utile pour l'instant, l'antipara étant bien évidemment préconisé, puisqu'il y a des Pokémon qui probablement peuvent posséder statique, et j'ai pas mal de Pokémon de type physique, comme vous pouvez le constater, notamment Luxio, Galopa, Kenji, LTGK, enfin bon, j'en ai pas mal, et là on affronte probablement son rival. Oups, SPR, tu as obtenu le badge, hein? Vestigion, et la prochaine ville a vécu la reine ou obtenir un badge, non? Alors ouais, je suis allé vers la route 207, mais tu ne peux pas la traverser sans bicyclette. J'ai fait combattre mon équipe pour la renforcer, au moins je ne suis pas allé pour rien. C'est là-bas que je me suis entraîné, hein. Évidemment, hors épisode. Je retourne à féliciter. Prochaine arène, le badge de l'arène de Vestigion. 10 secondes avant le départ, 9. Bah, qui a le temps de compter? Qu'est-ce qu'il est drôle. Oh mon dieu. Donc voilà, encore une fois, notre ami Tricker. Salutations à toi, mon ami. Et donc... on pourrait aller là-haut, tout simplement je n'y vais pas, puisque apprendre cette capacité je ne trouve pas le nom, Éclat Rock, hein, ça me gênerait de l'apprendre à mon starter,
puisqu'il est de type spécial, hein. Évidemment, c'est un manchant de guerre. Enfin bon, nous, on va tracer notre chemin. Ouh, pardon. Excusez-moi, mademoiselle, madame, je ne sais pas. Et donc là, on recroise notre cher ami Belladonis. Dis-moi, tu as retiré ton registre ami ? Tu peux en obtenir hein, gratuitement au sous-sol de chaque centre Pokémon. Alors le registre ami, c'est très pratique. Ça vous permet en fait d'affronter vos amis en ligne. Que vous soyez à une distance de 250 000 miles ou que vous soyez à 10 mètres l'un de l'autre, vous pouvez, via la connexion internet, tout simplement faire des combats, échanger vos Pokémon, interagir avec vos amis. Et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt une bonne chose qui a été instaurée. Ouh là, c'est pas là. On va du coup aller le retirer. Je pense qu'on est plus ou moins obligé. Donc bon, on va le faire dans l'absolu. On va aller au sous-sol du centre Pokémon. C'est ici que se déroulent les échanges internationaux. Et voilà, on va se faire interpeller normalement. Oh, bonjour, par ici s'il vous plaît. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Zadia, je serai votre guide dans le club Wifi Pokémon. Je dois d'abord vous donner ça. Et voilà. On vient de le recevoir, là elle va nous faire du blabla. Hein. C'est votre registre ami, vous pouvez y enregistrer vos amis. Une fois vos amis enregistrés, vous pouvez enregistrer des Pokémon, faire combattre avec eux, ça connecte à la CWF Nintendo. Donc, enregistrer un ami, compris. J'espère que vous vous amuserez bien à la CWF Nintendo. CWF, ça veut dire Centre World Trade. Center World Trade, CWF, ouais, un truc comme ça. Center World, je ne sais plus le F, ce que signifie le. Ah bon, c'est le centre national d'échange, hein, tout simplement. Alors normalement, on doit rencontrer nos amis. Et là, alors on va mettre qui en premier ? On va faire monter LTGK, ça lui fera plaisir. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Hunter qui m'avait dit que Primplouf prenait donc son attaque niveau 18, qui est Bulldo. Et donc ce sera plutôt sympathique d'avoir cette attaque en main. Parce que, vous allez le comprendre, ça pourra vraiment nous être très très utile. Alors là, on voit que le professeur Sambier se fait embêter par deux types d'une team. Je vois que tu as obtenu le badge de Charbourg. Il me semble que c'était hier que je te donnais ton premier badge. Le métier de dresseur est peut-être comme une seconde nature pour toi. Oh, professeur, pourquoi faire tant de difficultés ? Soyons sérieux, nous parlons d'affaires en ce moment même. Je le répète, nous vous ordonnons de satisfaire nos exigences. Silence, vous autres ! Qui donc m'a fichu des importants pareils ? Il vous reste quelque chose à apprendre. 1. On ne rôde pas de ci, de là, sans raison. 2. On n'interrompt pas les gens en pleine discussion. 3. On n'obtient pas ce qu'on veut en haussant le ton pour intimider les gens. 4. Le nombre ne fait pas la force. 5. Mais qu'est-ce que cet accoutrement d'abord ? Mes aïeux, ils se prennent pour des adultes. Vous, les enfants, ne prenez pas exemple sur eux. Hey ! Il a fallu que vous en fassiez une affaire personnelle. Vous nous obligez à utiliser la force. On va vous faire regretter d'avoir insulté la Team Galaxy. S'il vous plaît, les enfants, donnez une petite leçon de savoir-vivre à ces crapules. Esper, allez, unissons nos forces. Et donc, c'est le premier combat du haut, peut-être, je ne sais plus. C'est le premier combat du haut, en sachant que c'est un combat du haut où on est avec donc Aurore. Donc c'est un combat 2 versus 2 players. Et donc là on a placé LTGK qui fait intimidation, c'est sa nouvelle capacité spéciale et on va les martyriser. On va tuer Moufouette en premier. Voilà. Donc une attaque griffe, c'est pas très grave. Et voilà, un de mort, c'est déjà bien. Alors, on recommence une cruelle. Vous voyez, LTGK qui fait vraiment beaucoup de dégâts, c'est juste catastrophique. Il est juste très puissant, quoi. Et il n'est que niveau 14, hein, donc ça fait vraiment très mal à ce niveau-là. Et quand il évoluera en son évolution finale, il fera vraiment beaucoup de dégâts, puisqu'il apprendra une attaque très, très, très utile, qui permet donc au Pokémon Vol, maintenant désormais, de riposter avec des Pokémon de type Roche et Acier. Et ça, ça fait plaisir. Et même de type glace. Même de type glace. Parce que la Team Galaxy n'a pas de bonne intention. Je sais pas trop ce qu'ils ont dit. Enfin bon.
quels imbéciles. Ils se présentent comme la Team Galaxy. Lorsqu'ils évoluent, les Pokémon semblent libérer de l'énergie. Je pense, quant à moi, que c'est une puissance mystique incontrôlable. Mais la Team Galaxy cherche à exploiter son potentiel. Ils cherchent à savoir si on peut l'utiliser comme source d'énergie. Donc je pense qu'on va aller à la prochaine ville. On a quelques dresseurs et combats à faire. Je pense qu'on va être obligé d'apprendre la capacité Ekatrok. Alors on va aller chercher un Pokémon tout de suite. On revient juste après. Je vais faire une petite transition et on se retrouvera devant le premier dresseur. Alors on finit ce petit dialogue et on se retrouve tout de suite. Et nous revoici donc, oups, voilà, donc nous revoici devant le dresseur. Donc on va mettre Kenji parce que Kenji est très très compliqué à monter. Et c'est parti pour ce premier dresseur. Alors il y avait une Pokéball qui se trouve 1, 2, 3 cases à droite et 2, 3 cases au-dessus. Je l'ai prise, j'avais rencontré aucun Pokémon, c'était un antipara. J'avais fait téléport pour revenir à la zone safement. Donc j'avais rencontré aucun Pokémon, donc on va pouvoir également trouver, essayer de capturer un Pokémon dans cette zone. J'aimerais bien rencontrer un Pokémon qui me plairait. Donc là c'est bon, normalement je peux le frapper, il n'a que charge. Bon bah au moins ça c'est fait. Vampirisme. 2 PV. C'est fait, c'est bon. Perfecto. Bon bah voilà. Donc quel Pokémon va-t-on rencontrer dans cette zone? Alors ici c'est un endroit pour le surf. Alors on l'affronte et ensuite on ira chercher un Pokémon. Oh non. Oh non mon dieu, tu crois encore ce que peut te dire ton père à propos des Magikarp? Ah je vous jure. Bon eh bien, ça ne sera pas bien compliqué. Une bonne défense Magikarp et une bonne vitesse. C'est ce qu'ils font de ce Pokémon, hein. Pokémon qui est plutôt chiant à buter parce que finalement il se donne pas d'XP et en plus de ça... Il vous apporte rien donc. Donc quel est le Pokémon que nous allons rencontrer dans cette nouvelle zone? Je vous le demande. C'est parti, on regarde tout de suite qui est-ce. Et c'est un Lixi, donc je peux en rechercher un autre. Donc on va le tuer. Mince, je me suis trompé. C'est que ça fait mal ça. C'est que ça fait mal à ce niveau là. Oh oui, ça fait mal. Vampirisme. Allez, 34 points de vie, on vit à 34 PV. Comme ça, c'est bon, c'est tranquille. Donc, qui sera ce Pokémon? Je vous le demande. On a capturé quand même pas mal de Pokémon dans cette zone, donc normalement, on devrait avoir du mal à en trouver un qui corresponde. Hein. Voilà, je vous le disais. On va continuer de les affronter en vitesse. Morsure, on va les tuer en one shot. Histoire d'essayer de faire monter de niveau 15. Ouh le combat. Bon allez, ramène-toi. Ça te dérangerait de combattre contre moi? Bah non, mais comme t'es là, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Rose Bouton. Ça c'est un Pokémon intéressant. Et comme je l'ai rencontré, je pense que je peux vous montrer où se trouve la zone de son apparition. Et notamment ici. C'est un des Pokémon notamment que j'aimerais capturer ici. Hop là. Ou 102 d'XP, c'est sympathique. Hein. Plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Voilà. Et donc, le Pokédex. Voilà, il est là. Consultez la zone. Zone, il se trouve dans la zone où nous nous trouvons, c'est-à-dire ici. Alors, il se trouve également ici, là, et un peu plus loin. On essaiera en tout cas de le capturer ici. Ça nous aiderait. Pokémon qui évolue par bonheur, puis par pierre nuit. Donc c'est un Pokémon très chiant.
Mais bon, dans l'absolu, je ferai le bonheur en off. Donc encore une fois, un étourmi. Là, on va fuir les combats de Pokémon. On va changer d'ailleurs de Pokémon Starter. Hop là, on va changer. On va mettre LTGK. Hop là, ordre. Voilà. Allez, c'est parti. Essayons de trouver un Pokémon. Bon, encore un Lixi. Bon. Ah, on va quand même essayer de le tuer. LTGK va bientôt monter de niveau également, donc... Si on peut les faire monter de niveau au passage, pourquoi pas, hein. C'est comme ça, ils seront tous à peu près niveau 15-16. Donc ça serait plutôt sympa. Donc j'ai fait un bon gros paquet d'XP. Notamment parce que j'avais peur de ne pas de perdre un Pokémon dans cette zone. Alors, il n'y a que ça. Normalement, je vais finir par rencontrer un Pokémon qui soit intéressant. Alors, il a également la même chose que moi. Intimidation. Ouh, je le one-shot pas. Oh, ça c'est marrant, ça. Charge quand même. Allez, hop. Voilà, merci. Live up. Allez, c'est parti. 3 points de vie, déjà. Je crois que j'ai rêvé, mais j'ai vu 3 points d'attaque. Je crois que j'ai rêvé, hein, mais je crois pas, en fait. Je crois vraiment pas que j'ai rêvé, en fait. Vous savez probablement, parce que vous avez vu les stats tout à l'heure de ce Pokémon, mais moi, j'ai pas fait attention, c'est passé assez vite. Alors, fuyons. Alors, il y a forcément un Pokémon intéressant dans cette zone, et je suis sûr de capturer, ou presque, même, à quasi 100%, donc... Quoique, ça peut être un Conotor, peut-être encore. Si c'est un Conotor, je vais le capturer, ça me fera des zones en moins à capturer des Conotors. Bon, Pokémon... Apparaît, s'il te plaît, un rose bouton, j'aimerais bien que ce soit vite fait et on n'en parle plus. Ah, ils sont décidément très chiants. Bon, on va faire une petite pause. Normalement, je reviens dès qu'il y a un nouveau Pokémon, promis, je ne triche pas. A tout de suite. Et nous en voici, donc c'est un Krixik, hein, bon. J'ai eu quand même, entre temps, beaucoup d'étourmi, beaucoup de Lixi et des Nosferapti niveau 3. Bon, essayons de le capturer. Eh bien, vous savez quoi, on ne va pas se casser la tête, on va envoyer une Pokéball de suite. Il est ressorti, on en renvoie une parce que sinon on se prend des dégâts. Voilà. Bon, eh bien, il est capturé, Krixik sera capturé, on n'aura plus à le rechoper, son évolution non plus. Voilà. Donc, comme promis, je n'ai pas triché, j'aurais vraiment pu choisir Laurence Bouton. Mais bon, non. Non, je ne triche pas, on va l'appeler... insectophobe. Ah. Insecte. Insecte. On va l'écrire comme ça, insecte. Avec un T. Voilà, insecte. Tout à fait. Monsieur. Et donc là, je pense pas qu'on va laisser ce Pokémon en premier alors. Au moins LTGK a pu monter de niveau. On va mettre Léon en premier. Voilà, on passe. Et donc là, on va choper... alors, il va y avoir des objets un peu sur la gauche, là. On va aller voir ce que c'est, quand même. Alors, j'espère que l'épisode durera pas plus de 30 minutes, hein. S'il dépasse, je m'excuse encore une fois, par avance. Ah, alors, oui, voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut que j'apprenne la capacité à... Pokémon. Voilà, Éclatroc, tout à fait. Vous voyez, donc il y avait deux Pokémon qui pouvaient l'apprendre. Et Rakayu est le plus apte à l'apprendre, puisque c'est un Pokémon qui me sert à rien. C'est parti, donc un objet qui se trouve ici même. Alors, nouvelle grotte, insinue. Nouveau Pokémon capturable, hein. Notamment il y a des Pokémon pourris. Je pense qu'il y a peut-être un Onyx ici. Ça peut peut-être être intéressant, il faut voir. Mais bon, dans l'absolu, qui sera le Psychoquack? Ah là là, le Psychoquack. Bon bah c'est un Psychoquack, écoutez. C'est un Psychoquack, j'ai envie de dire. On va le capturer. C'est parti, Pokéball. Il est ressorti. Il a tout niqué! Mais mon dieu! C'est monstrueux! Allez, on rebalance des Pokéballs, à tout va!
qu'on va mettre. Ah, caillou. Normalement, il a pas de pistolet à eau, je pense pas. Voilà. On lui fait charge. On rate charge. C'est magique. Alors, recharge. Mais deux fois sur quatre, quand même, c'est fort. Avec 95 de précision, c'est magique. J'adore. Là, la Pokéball devrait passer quand même. Normalement, là, il est dans le orange. Et yes, c'est capturé. Voilà, on a capturé un psychopac. Donc encore une fois, désolé pour la vitesse accélérée des musiques des combats. Mais c'est pour une meilleure visibilité de la vidéo dans sa globalité. Alors, le psychopac, on va l'appeler Ondine. Hein, tout simplement, parce qu'en plus, c'est une femelle. Alors, Ondine ce soir. Ou pas. Merde, pas Ondine. Voilà. Donc dans la boîte de... Point d'interrogation. Bon, je pense que c'est peut-être le meilleur Pokémon qui se trouve dans cette zone. Hein, étant donné qu'il évolue niveau 33, 34, il me semble. C'est un gros level pour un Pokémon, mais... Bon, ça suffira, on dira. Hein. Donc voilà, on a passé cette zone. Et donc là, il reste quelques dresseurs. Espérant les faire assez rapidement. Alors... Ah oui, c'est lui. C'est Léon qui est en premier. Et là, tu différents types de Pokémon, je crois. Électrique. Électrique, feu, vol normal, vol, poison. Eau. Et un autre Pokémon de type. Peut-être, je vous dis bien, peut-être qu'il est de type insecte. Peut-être qu'il sera de type insecte, je ne sais pas encore. Peut-être sera-t-il de type combat. Peut-être sera-t-il de type acier. Et je pense qu'il y a moyen que je capture un Pokémon de type acier. Et ça pourrait vraiment être sympathique. Alors, rose bouton encore une fois. Bon, très bien. La vive griffe qui tape en premier. Alors, point de poison, peut-être une vraie plaie, mais normalement ça devrait passer. Il ne l'a pas, ou alors il ne m'a pas empoisonné. Cilibou, un Pokémon de type plante. Qui évolue en Serfleur, il me semble, et qui est un Pokémon qui, au soleil, devient plus puissant et augmente son attaque spéciale. Ou Vampigraine, il me semble, je viens de me prendre une Vampigraine. Oui, donc ce n'est pas très efficace parce qu'il est de type plante. Bon. Alors là, on commence à attendre les 30 minutes, hein. Je m'excuse, on va au moins aller jusqu'à la prochaine ville, on s'arrêtera dès les premières lueurs du jour. Donc vous voyez, je joue encore de nuit, hein, il est... Allez, je vous montre l'heure. L'heure, c'est tout déjà. 23h42, bientôt minuit. Ça fait peur, non? Alors, ici, des Pokémon de type insecte. Donc, on va se faire plaisir. Et on va faire plaisir à Hunter qui va jouer aujourd'hui. Et là, laisse-moi t'impressionner avec mes Pokémon de type insecte. Oui, complètement prestige et épique. Oh. Comme dirait Wossibil, CMB. Bon oui. Alors, Hunter qui a pris Route Feu, et là, ça fait très mal. Regardez, One Shot. Alors, Chenipot aurait déjà dû évoluer en Blindalice, puis en Chenipot, ou en... Armulisse devient... Armulis devient Charmillon, et en Blindalice qui devient je ne trouve plus la musique me perturbe. Blindalice devient Papinox. Parfaitement, je les ai capturés dans mon Nuzlocke de deux Pokémon Saphir. En plus, c'est une honte. Alors là, on évite ces dresseurs, on va aller choper la Pokéball qui se trouve ici et se retrouver à la prochaine ville qui n'est pas la ville de Vestigion, mais bon. Et on trouve la cité Balgren. C'était qui ne va pas nous être très, très utile dans ce Nuzlocke. Mais ça peut toujours rester un choix d'attaque de type plante, de 10 de précision, 10 de puissance. 10 de précision. 10 de puissance. C'est une nouvelle zone ici. Est-ce que c'est une nouvelle zone? Je me pose la question. On va regarder. Alors, on va regarder par rapport à la carte. Comme quoi la carte va nous servir dans ce Nuzlocke, c'est fou. Alors, oui, on est toujours sur la route 204, donc pas de nouveaux Pokémon. Malheureusement, je m'en excuse. Enfin bon, on arrive dans une nouvelle ville qui est Floraville. Voilà.
Donc on se dit à plus sur YouTube, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire, ou quoi que ce soit qui vous passe par la tête, hein. Franchement, ça ne me dérange absolument pas. Hein. Je suis ouvert à toute proposition, quoi que ce soit. J'espère en tout cas que vous continuerez à regarder le Let's Play, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.